En ces jours sombres, le monde antique est en pleine guerre, dont deux grands, Sparte, puissance militaire incontestée, est en plein conflit avec Athènes, puissance maritime, cherchant tous les deux à contrôler la Grèce. Nous ne savons pas encore comment se terminera ce conflit, mais le destin d'une personne influencera le cours de la guerre. Voici son histoire. Bon. Alors, résumons ce qui s'est passé. Je viens d'apprendre que Ben n'était pas tout à fait fautif dans la tentative de meurtre sur ma personne. C'est assez surprenant, et apparemment, ma mère en sait plus que moi. Pas plus que lui. Il va falloir partir à sa recherche. Pour contribuer à la victoire sur. Comment ça s'appelle? Sur Athènes, victoire de Sparte, au cours d'une bataille assez difficile, hein. Je veux dire, c'était très chaud. Bref, on va continuer dans cette lancée et écraser Athènes une fois pour toutes, afin de suivre le cours de l'histoire sur Sparte qui l'emporte sur Athènes. De rue d'Apollon. Attention, il ne faudrait pas qu'on me surprenne ici. Oh bah, du coup, je dis que bon. Alors, mon petit aigle, j'ai besoin de toi pour scanner les ennemis. Alors, un niveau 10, niveau 9, niveau 9, niveau 9. Alors, on a une chèvre. Il y a un trésor ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le niveau 10, c'est un esclave. Va l'attaquer sans me faire repérer par lui. C'est le côté. Voilà qui fait. Il y a un ennemi puissant. Qui les autres? Mais ils sont en alerte. Je n'ai pas eu trop de temps de cacher les corps. La mort a dû être rapide. Les traces de cette charogne? Non, aucune trace. Cette vipère est dangereuse. Maudite bestiose. Et hop, à ton tour aussi. Bon, il n'en reste plus qu'un. Ils
se déplacer et l'attaquer par derrière. Même pas, il n'a rien entendu. Adieu. Et voilà. Bon, il n'y a plus personne dans la rue. Donc on peut fouiller tranquille. Par rapport qu'il ne respecte rien. Hop, merci. Trouver la table de tension. Je crois que je l'avais trouvé, il me semble. En effet. Donc, rien. Une. Le chef des bandits, je crois qu'il est là, il est fait tout. Non, ils ont rien à piller dans, avec eux. Bon, on commence pas. Loup de malheur. Je récupère mon cuir, ça pourra m'aider à m'améliorer. Ah oui, j'ai oublié que j'avais récupéré de l'équipement. On va s'en équiper. Un son qui pue. Là, je vais pas récupérer un casque, moi. Un casque et une épée. Est-ce que tu champion de... Ah. Bizarre. Armure une... L'armure que j'ai ramassée n'est pas terrible. Bof. Faut plutôt améliorer notre armure parce que là, le reste, j'ai pas. C'est pas terrible. Mirage, un forgeron. Par contre, l'épée légendaire, je la veux. Oh putain, elle est stylée. Oh, quelle est stylée. Pas de côté. J'ai peur pour ça. Attaque de secret. Maintenez pour un assassinat critique, ça donne 200%. Oh, mais vache, elle m'intéresse cette technique. Un seul putain. Dis les adversaires. Et ça, prendre soin de l'équipement, ok. Mais celle-là m'intéresse plus au point. Voilà. Je suis en train de devenir encore plus puissant. Par contre, le mercenaire, je l'avais pas vaincu. Cassandra, la porte de steak. Éteins une copieuse, là.
Bon, nous verrons ça plus tard. Parlez à Barnabas. Que je récupère ta fourrure, vu que t'es mort maintenant. Merde. Je suis bourré ou quoi? De toute façon, cette zone-là est maintenant sous le contrôle de Sparte. Je pense qu'on n'a plus trop d'intérêt à y rester maintenant. Putain, ce que c'est gore ici. Des navires échoués, des cadavres de partout, des mécans palés. Putain, il y a même du sang. Personne qui m'interpelle. Kéré, prêtresse. Je peux être utile? Un navire de transport devait arriver au port. Les soldats m'ont demandé de pratiquer une divination. Il aurait dû voyager sans encombre. Qu'est-il arrivé à ce navire? On dit qu'il a été coulé par un capitaine qui te ressemble. Tu avais sûrement tes raisons. Mais les soldats ont besoin de ce ravitaillement qui a coulé dans des eaux infestées de requins. J'ai l'impression que tu veux que je tue ces bêtes. Oui, toutes ces bêtes doivent mourir. Compte sur moi. Je savais que le sort nous réunirait. Kéré. Oh. Ok. J'aime pas les requins. Dire, hein. Il y a encore quelques trucs dans la zone. Ça te plaît cette situation, pas vrai? Quoi? Tu joues les héroïnes pour les forces spartiates en Mégaris et tu crois maintenant que tout est permis? Quand je pense que la ville m'a commandé une statue de toi. Ouais. Ce que j'ai fait, les malakas comme toi en auraient été incapables. Alors, ça mérite bien un peu de reconnaissance. Avant que je me mette à créer une statue en ton honneur, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour le peuple. Une meute de loups harcèle mon village. Tu aimes jouer à l'héroïne? Alors c'est l'occasion. Des loups, hein? Oui, de vrais loups. Pas un spartiate imbu de lui-même avec un casque grotesque. Tu veux que j'aille tuer une meute de loups? Oui, toutes ces bêtes doivent mourir. Compte sur moi. Surtout prudence. Je reviendrai quand tout sera réglé. Bon, bah, c'est parti. Après s'être remémoré les événements et avoir pesé le pour et contre, Cassandra décida de mettre de côté sa vengeance et de mentir sur le fait qu'elle avait pas tué son père comme lui avait ordonné le commanditaire. Elle décida d'aider les habitants aux alentours afin de mieux se préparer aux prochaines batailles qui l'attendent. Mais cela, nous le saurons dans la suite de ses aventures.